Je m'appelle Laurent Micheli. Gabriel Da Costa et je suis comédien. Et je suis le réalisateur du film Driven Lovers Get the Blues. Hashtag sexualité. Hashtag je me pose plein de questions sur ma sexualité. Hashtag intimité. Et hashtag, hashtag amour. Hashtag amour. Le point de départ, c'était il y a 10 ans quand j'ai découvert le film Short Bus de John Cameron Mitchell qui m'a fait beaucoup de bien moi dans ma vie. J'ai réalisé qu'il n'y avait pas suffisamment d'histoires de ce type-là. J'ai réuni une bande d'acteurs un peu copains. Ça a été au fur et à mesure de discussions, à un moment, il m'a proposé de jouer dans le film et de participer à toute l'écriture aussi. Si tu savais qu'une histoire n'allait pas finir bien, est-ce que tu la vivrais tout de même? Cette histoire, à la base, je la destinais pour la scène. Et en fait, en l'écrivant, j'ai réalisé que ça convenait mieux au cinéma qu'à la scène. C'est la première fois que j'ai un rôle aussi grand dans un long métrage. Je travaille essentiellement au théâtre, ouais. Je fais beaucoup de théâtre. C'est un petit film d'auteur sans tête d'affiche, mais avec une vraie belle énergie. Donc en fait, les gens sont quand même attentifs à ça. Ça fait un an qu'il tourne en festival, ça continue, il y a eu cette sortie belge, on espère qu'il y en aura d'autres. Et hop, une petite pipe bien serrée. C'est pas mal, hein.